bad apple. Chen chong. Ma ke foutu coup de fuck. Bouche comme à la maison. Blabla bloc sur la bosse. Il faut chauffer les macos. Sans moins loup ou ni maldo. J'aime quand tu te baisses. T'as tout ce qu'il faut. Un gominou, un joli gigot. Mina si, mina ou. Baba qui te bête. Everything on fleck, 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 fleck. Everything on fleck, 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 fleck. What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tout petit tuto rapide de mon make-up et de la façon que je fais mes baby hair, mais ça sera très rapide. Donc j'ai pris le gel Got To Be pour faire mes baby hair. Là, je suis toujours en train de danser. Comme d'habitude, je perds du temps. Toujours, toujours, quand il faut que je me prépare pour partir. Donc là, j'ai pris le gel de chez Anastasia Beverly Hills pour faire mes sourcils. Donc c'est une galère de faire mes sourcils vu que c'est un tatouage. Donc je viens, on va dire, travailler le contour de mes sourcils avec le LA Girl, le concealer de chez LA Girl. Donc je viens faire le contour de mes sourcils pour nettoyer les excédents de gel tout dégueulasse autour. Je prends ma mini beauty blender. Mini, elle n'est pas si mini que ça, elle a déjà bien gonflé. Elle n'est pas mini. Donc je viens l'estomper. Maintenant je viens passer ma base de chez LA Girl toujours pour que mon make-up ressorte plus. Donc je viens l'estomper avec mon doigt. Donc avec la petite palette Morphe, je prends la petite couleur marron foncé pour faire ma couleur de transition. Ensuite je prends un pinceau qui finalement que j'apprécie pas, que j'ai acheté sur Wish, pour estomper un petit marron clair. Bon, ça se voit là à la caméra, mais c'est galère à appliquer. Je reprends une base, la base de chez LA Girl, pour faire pour appliquer, pour faire un petit cut crease, mais c'est pas un cut crease que je vais faire, donc du coup toujours pour que mon fard soit pétant. Toujours dans la même palette avec Morphe, je prends la couleur noire. Je l'applique uniformément sur ma paupière. En tout cas, j'essaye. Ensuite, avec la palette de Beauty Glaze, je prends la couleur or. Donc, moi, je trouve que cette petite couleur, ça fait soirée. Le noir et l'or, on peut dire que ça peut bien être associé pour quand tu sors le soir. Ça, franchement, c'est des couleurs qui sont tip-top. Donc, après, je viens l'estomper avec mon pinceau fluffy de chez Wish toujours. Par contre, je kiffe ce pinceau parce qu'il estompe super bien. Donc, je viens mélanger les deux couleurs entre elles. Maintenant, j'applique mon mascara de chez LA Girl. Je trouve que ce mascara-là, je sais pas si c'est ça, mais ça pique un petit peu les yeux. Bon, vous pouvez me dire en commentaire si c'est bien ça ou si moi qui ai un problème. Donc, j'applique ma base de chez LA Girl. Ma base primer, mon primer de chez LA Girl. Ensuite, je viens camoufler mes cernes de malade. J'ai pas précisé, c'est la couleur, c'est même pas cacao. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc, je viens mettre ça sur mes cernes, je viens aussi mettre ça sur mes petits points noirs, sur l'arête de mon nez, sur mon menton. Et puis voilà. Je viens l'estomper, bien sûr, avec une beauty blender propre. On va l'estomper, estomper, 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 estomper. Bon, comme je voulais pas mettre de fond de teint, je me suis dit que je vais mettre la bébé crème de chez LA Girl toujours. Là maintenant, je vais faire un contouring, un semblant de contouring. En tout cas, c'est la première fois que je le fais. C'est avec le concealer, je ne sais même plus comment il s'appelle déjà, de chez Fenty Beauty. J'essaie de faire un contouring, vous voyez. Je me mets en mode Rambo. Donc j'essaye, hein. C'est la première fois que j'essaie de faire un contouring. Je trouve que ça le fait quand même. C'est vraiment très discret. Je ne me suis pas lancée dans quelque chose d'extrême.
contouring très simple. Donc on fait sur le front, on creuse légèrement les joues, on met en dessous du menton pour affiner le menton. Mais bon, je trouve que j'ai quand même un gros menton, je vais faire du sport. Sous l'arête du nez pour affiner le nez. Ouais, là ça m'affine bien le nez là, je trouve. Donc qu'est-ce que je viens faire là? Ah oui, je viens passer le noir et la couleur dorée de la même palette de chez Beauty Blast pour faire le dessous, le ras de sourcil du bas, pour donner un effet plus profond à mon regard, tout en sachant que c'est la nuit, donc personne ne verra tes yeux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, toi, tu sais que t'as de beaux yeux, donc bref, tu camoufles en bas aussi, enfin, tu camoufles. Tu viens maquiller le dessous de tes yeux. Donc avec le crayon Bordeaux que j'utilise assez souvent, de chez Réserve Naturelle, je viens faire le contour de mes lèvres. Le crayon Adopt, bien sûr, Réserve Naturelle Adopt. Je vais faire, comme d'habitude, j'aime tellement faire ça, le Ombre Lips. Donc ça, je vais le prendre avec un rouge à lèvres couleur Cher. Je crois que c'est la marque Nina Face, Night Face, bref, chez Wish toujours. C'est une petite odeur caramel, je viens estomper les deux. Par contre, ouais, petit inconvénient de ce rouge à lèvres là, ça colle légèrement. Donc là, je viens faire, avec toujours la palette de chez Beauty Glazed, je viens prendre une petite couleur pailletée, on va dire. C'est pas le doré tout à l'heure là, c'est plus argenté, pour mettre un petit peu de lumière sur ce petit make-up. Donc le creux de l'œil, en dessous des sourcils, l'arête du nez, comment on appelle ça, le dessous des lèvres là, le truc de Cupidon là, le truc de Cupidon. Donc je viens appliquer cette même couleur, sur le dessus de mes pommettes. Vous voyez là, j'ai pas pris le bon pinceau, mais regardez comment ça, quand on met des petites zones de lumière, ça c'est magnifique. Donc sur l'arc de Cupidon et sur l'arête du nez, c'est tip top. Donc on a changé de décor très rapidement. Donc là j'applique ma poudre matifiante de chez Adopt, toujours. Donc c'est une poudre qui va venir matifier tout mon make-up et venir uniformiser tout ça, voilà. Donc j'espère que ce petit make-up outfit, tout en sachant que cette robe là, j'ai oublié de vous dire, je l'ai achetée chez Ambafeuille en Martinique. Donc ils sont aussi en Guadeloupe, donc je vous mets les liens de leur page Facebook en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les follow parce qu'ils font des robes uniques. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est des séries limitées. Donc c'est super top. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Donc je vous laisse avec les petites photos et les petites vidéos. Et puis je vous dis, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de venir me suivre sur Insta. C'est là que ça se passe. Et puis je te laisse avec le reste des vidéos. Ciao. Kiss. Pita. Always be free.